Yop tout le monde, c'est Cédric, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur... On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pardon. Bonus, cette vidéo, elle est bonus. On va aller, on a vu, bon, il y a eu des petits problèmes de connexion, hein, désolé, pour la dernière vidéo où ça a coupé. Vous l'avez vu, hein, je pense que lorsqu'elle est sortie sur YouTube, ça a coupé, donc bonus. On y va, il faut aller dans la grande salle visiblement. Et puis après on aura plein de choses à faire, mais ça je les ferai pas. On va parler au ministre, d'abord. Ensuite, ensuite, on va aller parler à Nati près de la pointe du miroir. Ensuite, rejoindre Poppy, ça on n'aura pas besoin de le faire. On va aller d'abord parler à Ominis. Ensuite, on ira parler à Nati. Et ensuite, on ira vers la coupe des quatre maisons. Et voilà, ce sera le bonus de cette vidéo. Donc là, on doit aller parler à Ominis près de la crypte. Donc, on y va. On va parler à Ominis près de la crypte. Je vous laisse avec ça. Rébellion. Rébellion. Alors notre chère Clémentine a réussi à vous convaincre de suivre ses pas. Avant que vous ne demandiez, je n'ai plus de chaussettes. Si vos pieds sentent mauvais, débrouillez-vous. Revelio. Rébellion.
prêt pour l'odeur. Je viens de recevoir une cargaison de peau de crapaud. Je serai ravie de vous revoir. N'hésitez pas à revenir quand l'envie vous en prendra. Réveillon. Réveillon. Allô, Mora. Rebellion. J'ai entendu dire. Bienvenue. Entrez donc. Bon. Ah oui, oui, oui. Merci d'être là. Hominis, j'ai reçu ton hibou. Que s'est-il passé avec Sébastien ? Il a été exclu, et il sera bientôt jugé au ministère. Anne voulait le dénoncer, mais je pense qu'elle est tiraillée. Et je dois avouer que je la comprends. Même si nous souhaitions tous voir Sébastien répondre de ses actes. Rien ne sera plus pareil sans lui. Rien que le fait d'être ici, dans la crypte, sans Sébastien me paraît étrange. Je ne pensais pas que ça se terminerait comme ça.
J'espère que nous avons fait le bon choix. Je l'espère aussi. Tu as dit à Sébastien que Rockwood avait jeté un mauvais sort sur Anne ? Oui. Black m'a laissé parler à Sébastien avant son départ. Au début, il refusait d'y croire. Puis il a fini par comprendre. Malheureusement, cela n'a fait qu'attiser sa colère contre les gobelins et les mages noirs. Anne était choquée également, mais soulagée de savoir qui était responsable de son sort. Je pense que ça lui a enlevé un poids des épaules. Tant mieux. Elle mérite de connaître la paix. C'est vrai. Sébastien était mon meilleur ami. J'ai du mal à imaginer Poudlard ou tout autre endroit sans lui. Je sais que vous étiez proches. Que votre relation ne se limitait pas à la recherche d'un remède pour Anne. Il ne m'a jamais donné de détails, mais je sais que tu comptais pour lui. Il comptait... Il compte beaucoup pour nous deux. J'espère que nous pourrons le lui dire un jour. Je sais que nous sommes partis du mauvais pied, mais tu as su me prouver ton amitié. Je suis heureux que tu sois à Poudlard. Professeur, que pouvez-vous me dire sur votre travail au ministère ? Votre curiosité est compréhensible. Je n'ai pas le droit de vous parler de mon travail en détail, mais je peux vous raconter certains faits intéressants. Les langues de plomb travaillent au département des mystères du ministère. C'est un travail parfois dangereux, comme vous vous en doutez sûrement. Oui, professeur. Ne vous inquiétez pas pour ma blessure. Je me suis fait à l'idée depuis bien longtemps... qu'un brin de dictame, une fois cueilli, finit toujours par faner. Avez-vous réussi à accepter le temps perdu ? Ah ! Mais j'ignore réellement combien de temps j'ai perdu. Sans vous en dire plus, il est possible que j'ai gagné du temps tout en perdant. S'attarder sur de tels sujets serait une perte de temps. À l'heure actuelle, aucune magie ne permet de voyager dans le temps. Cela arrivera peut-être un jour. Oui, je peux vous garantir que mes années passées au ministère étaient intenses. Je suis tout aussi heureuse d'être à Poudlard aujourd'hui qu'au département des mystères il y a quelques années. Si je peux me permettre, cela me fait plaisir que vous soyez à Poudlard. Cela me touche beaucoup. En parlant de temps, vous feriez peut-être mieux de passer le vôtre à perfectionner vos mouvements défensifs. Oui, professeur. Revelio. Wingardium Leviosa. Lumos. Ne gâche pas ton si beau visage en fronçant les sourcils. Voilà, c'est mieux, non ?
Même Ferdinand Octavius Pratt est accroché à une place de choix. Et moi, je suis là, dans la puanteur. Je devrais te... Attention, Odal. Certaines d'entre elles peuvent être... Revelio. Revelio. Des œufs de Doxy? Mais ça risque de tourner. Revelio. 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 Lumos.
Revelio. 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 Lumos. Revelio. Professeur, vous avez une minute ? En quoi puis-je vous aider ? J'aimerais en savoir plus sur les révoltes gobelines du passé. Ah, et plus précisément des lois qui par exemple... Je vous remercie pour votre... Revelio.
Cette année, nous avons pu voir nos élèves faire honneur à la bravoure de Godric Gryffondor. Laissez-moi terminer. À la loyauté de Helga Poufsouffle. À la sagesse de Rowena Seldeg. De Salazar Serpentard. Ainsi, les vainqueurs de la Coupe des Quatre Maisons... Excusez-moi, directeur, une précision. L'héroïsme d'une personne en particulier lors de l'attaque de Poudlard, sans oublier sa réussite totale dans chacune des matières, malgré une arrivée tardive d'ailleurs... Eh bien, je pense que de tels exploits méritent, disons, 100 points supplémentaires pour sa maison. Qu'en pensez-vous ? Ah, oui. Merci, professeur Weasley. Je suppose que nous avons nos vainqueurs. Revelio. Et eh bien voilà, messieurs, dames, une série qui. Un let's play, pardon, qui se termine par la victoire de ma maison, forcément. Si je devais. Parce que, bon, j'ai eu la chance. Je sais pas si on peut appeler ça une chance, mais j'ai eu la chance de pouvoir. Faire l'histoire deux fois d'affilée. Une fois hors live et une fois en live. Honnêtement, quand je vois les retours positifs qu'il peut y avoir sur ce jeu, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, hein, peu importe. En tout cas, je suis très très heureux de vous avoir partagé l'univers de Poudlard. Alors, mon seul regret aujourd'hui sur ce jeu, c'est que ben y ait pas de qu'il y ait pas de Quidditch, voilà, je cherchais mes mots, et malheureusement donc l'épisode que vous avez vu il y a quelques jours, l'épisode 19, donc fin, c'était vraiment la fin, malheureusement, enfin c'était la fin, c'était le combat final, on va dire. Malheureusement, sur la dernière vidéo, ça a coupé, j'avais plus de retour image. Je sais pas pourquoi, je m'en suis rendu compte tout de suite derrière, donc j'ai coupé le live, et du coup vous aurez un 20e épisode, donc celui que vous voyez actuellement, avec fin, bonus, quelques pages de guide de sorcier. Alors je peux pas tous les trouver, parce que bon, Poudlard est quand même assez grand, et ça prend énormément de temps à chercher toutes les pages.
Voilà, donc la fin bonus. Donc malheureusement, les quêtes qui restent, donc les trois quêtes qui restent, plus la quête secondaire, je les ferai pas. Le jeu, pour moi, est terminé. On a eu le tournoi des quatre maisons. On a eu, voilà, toutes les histoires, toute l'histoire principale, quelques missions annexes pour débloquer les sorts. Donc, en général, les sorts, vous les débloquez en faisant des devoirs donnés par les professeurs. Notez bien que pour avoir ce que vous avez eu, donc le tournoi des quatre maisons, vous l'aurez, ça c'est certain, mais vous l'aurez si vous êtes au niveau 34. Si vous êtes au niveau comme moi, 28, voire pas loin du 29, il va falloir faire quelques promenades dans les environs. Prochainement, alors je saurais pas vous dire la date, mais va falloir rester connecté sur mon compte Instagram et dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube pour savoir à quelle date exactement on commencera God of War. Alors je rappelle la suite du programme pour les semaines à venir, du coup de la publication. Si vous voyez cette vidéo sur YouTube, forcément c'est que toutes les autres sont sorties, mais il y a encore à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 4 avril, à l'heure où je termine cette vidéo, et il y a encore des épisodes qui sont en attente. C'est-à-dire que nous, on tourne la fin du jeu, alors que YouTube est seulement à l'épisode 5. D'accord ? Donc n'allez pas spoiler pour ceux qui ont vu toute la série, tout le let's play. On va attendre bien sagement que tout le let's play de Hogwarts Legacy soit sorti, c'est-à-dire du premier épisode au 20e épisode. J'avais compté entre 20 et 21 épisodes. Donc, je suis pas mal. Et puis voilà, donc il y aura God of War, il y aura God of War Ragnarok, les deux God of War. Alors, vous allez vous en manger plein les narines, comme on dit. Pourquoi je fais les deux? Parce que, un, je sais, je vous connais, vous allez me dire, ouais, on a vu un, mais on n'a pas vu la suite. Donc, vous aurez la suite de 1, de 2. Vous aurez le 1, vous aurez le 2, et quand on aura terminé God of War et God of War Ragnarok, on fera Assassin's Creed Valhalla. En attendant que les épisodes de Hogwarts Legacy se finissent de se publier sur YouTube, de la mise en ligne sur YouTube, on va continuer les épisodes sur F1 Manager, sur F1 22. En sachant que F1 22, c'est les derniers épisodes, donc on va les tourner. Là, on va en tourner quelques-uns. Pour que vous les ayez. Les épisodes, pas de panique, hein, ils vont bien sagement vous attendre. Voilà, à vous maintenant de me dire qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous avez pensé de ce let's play. Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce que il vous a pas plu? Est-ce que vous avez adoré le jeu? Est-ce que vous avez adoré le fait que je poste régulièrement des vidéos? Alors c'est une vidéo tous les deux jours pour Hogwarts Legacy et une vidéo les lundis, mercredis et vendredis, et pour F1 c'est les mardis, jeudis et samedi. Donc voilà, il faut savoir aussi, alors je le redis pour les nouveaux, c'est que je tourne les épisodes à l'avance, donc je tourne pas les épisodes le jour même pour le lendemain, d'accord. Je tourne les épisodes, par exemple aujourd'hui je vais tourner le 4 avril, là j'ai tourné l'épisode, les deux épisodes de fin de Hogwarts Legacy, donc la première partie et la deuxième partie, et juste après, donc dans un quart d'heure, 20 minutes, on va tourner, si on a le temps, deux épisodes de F1 pour pouvoir les caler. À partir de demain, du 5 avril,
pour ceux qui sont sur Twitch et pour ceux qui sont sur YouTube. À partir de demain, on va tourner des épisodes de F1, comme ça je les aurai dans le PC et on pourra les caler. À partir du mois de mai, c'est-à-dire dans un mois, parce que là, si vous faites des calculs, j'ai des épisodes, en plus de celui-là que je suis en train de tourner, j'ai des épisodes, je vais vous dire ça tout de suite, des épisodes de Hogwarts Legacy jusqu'au... Je crois que c'est début mai. C'est ça. Attendez, parce que mon ordinateur, il a du mal à s'allumer. Hein. Attendez. Il y a vraiment un problème là aujourd'hui. Je sais pas. Je sais pas. Il y a trop de trucs d'ouvert en même temps. Voilà. Donc, je disais, j'ai des épisodes de Hogwarts Legacy jusqu'au, on va dire, alors 3 mai. Donc, il y a encore un mois de vidéo, quasi un mois. Donc, le 3, le 6, d'accord. Et du coup, le non, qu'est-ce que je raconte? Le 3, le 5 et le 7. Donc vous aurez la première partie de la fin de l'histoire principale le 6, non, le 3, le lundi 3. Non, qu'est-ce que je raconte? Moi, je raconte des carabistoules. Le mercredi 5, pardon, et le vendredi 7. D'accord? Donc là, tranquille. À partir, donc vous comptez une semaine. À partir du moment où la dernière vidéo de Hogwarts Legacy est publiée. C'est-à-dire que la dernière vidéo de Hogwarts Legacy sera publiée le vendredi 7 mai à 11h. Putain, je cherche mes mots. Sauf que le 7 mai... Non, mais attendez. 3 mai... La dernière vidéo, si vous la voyez, au moment où vous la verrez, on sera le 5 mai, d'accord? Donc vous comptez une semaine, entre la fin du Let's Play, donc du Let's Play Hogwarts Legacy et le début de God of War. Donc God of War commencera le 12 mai, pour une durée de, on va dire, 3 semaines, 1 mois. Ça dépend la durée des épisodes et ça dépend comment va se passer les épisodes. Notez bien également que si le Let's Play de God of War ne fait pas autant de vues que je l'espère, forcément, on va être obligé d'arrêter le Let's Play. Si j'ai continué Hogwarts Legacy, c'est parce que je vois que ça fonctionne. Après, je vous ferai une vidéo de tout ça. Une vidéo à part pour vous exposer un petit peu comment va se dérouler les mises en ligne sur YouTube à partir du 28 mai et ce jusque début septembre parce que on va voir déjà du 28 mai au 11 juin déjà, il y aura des vidéos qui sortiront sur YouTube qui seront préalablement tournées, donc qui sortiront sur YouTube comme je fais actuellement, des vidéos préalablement
tourner. Donc, voilà. Donc, je voulais vous dire aussi également, au moment où vous voyez cette vidéo, c'est que toutes les autres sont sorties. Et si vous faites les calculs, il y a possiblement entre quand la mise à jour, enfin la mise en ligne, pardon, de l'épisode de Hogwarts Legacy sort, on va dire, elle sort à 11h. On fait entre 10 à 20 vues, voire entre, on va dire, 10 à 30 vues par vidéo. Alors, je sais, vous allez me dire que c'est pas énorme pour quelqu'un qui a 300 abonnés, mais moi, je cherche pas à avoir 1,5K de vues. Moi, je cherche juste à vous divertir, à vous donner, à vous, voilà, vous partager ma passion pour le gaming. Je vous ferai une vidéo hors live, hors Hogwarts Legacy, parce que là on est sur Hogwarts Legacy, mais je vous ferai une vidéo où vous verrez ma tête et où je vous expliquerai un petit peu le fonctionnement de la chaîne, parce que bah il y a des nouveaux, hein, il y a de plus en plus de nouveaux qui découvrent ma chaîne, et ça c'est grâce à la popularité de YouTube. C'est pour ça qu'il faut pas qu'on arrête de poster des vidéos sur YouTube, parce que sinon ma popularité va baisser. Vous avez 3 chances pour avoir la... Je vous les donne, mais je vous les redonnerai. Vous avez 3 possibilités pour avoir toutes les informations concernant les lives et concernant la mise en ligne. 1, l'onglet communauté où tous les... alors pas tout le temps. D'ailleurs, je devrais le faire, je pense, assez régulièrement. Mais vous aurez l'onglet communauté à partir de maintenant. Vous aurez mon compte Instagram, pour ceux qui l'ont. Et puis, mon compte Instagram sert aussi pour la radio, parce qu'à côté de stream, je suis aussi animateur radio. Voilà, messieurs, dames, si je devais donner si je devais donner une note globale sur ce jeu, je pense que si je devais donner une note en l'ayant fait 2 fois de suite, si je devais donner une note, ce serait un 19,5. Pourquoi 19,5? Je vous explique très rapidement. Je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, le seul regret qu'il peut y avoir dans le jeu, c'est pas les combats, c'est pas les moments d'animation. Parce que quand vous avez ce jeu, donc qui est Hogwarts Legacy, que je termine, alors pour la première fois jusque la Coupe des 4 Maisons, hein, la première fois, je l'avais pas fait jusqu'à là. Là, je l'ai fait jusqu'à là, parce que je savais que j'étais en live. Deuxième chose, graphiquement, il est juste magnifique. Graphiquement, il est juste magnifique. Si mes souvenirs sont bons, il sort bientôt. Alors, il est déjà sorti sur PS4, mais il sort bientôt sur PS4. En juillet, sur Twitch. Sur Switch. Donc, pour ceux qui ne sont pas sur ni PS4, ni PS5, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas être déçus de ce jeu. Il faut bien vous organiser. Quand vous êtes en combat, parce que il y a des trucs parfois où vous avez un peu de mal. Voilà, je vous en dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas encore le jeu, parce que je sais qu'il y en a qui regardent les épisodes mais qui n'ont pas encore le jeu. Ça s'appelle le spoil. Et puis voilà, je vous souhaite une très très belle après-midi, belle journée hein, si vous voyez cette vidéo au matin. Belle soirée si vous voyez cette vidéo au soir. Il est actuellement au moment de cette vidéo, il est actuellement 14h25 à l'heure où je termine ce live. Et puis voilà, très heureux en tout cas d'avoir partagé Hogwarts Legacy avec vous. On va attendre avant de redémarrer un let's play que toutes les épisodes, enfin je parle en général. Il y a encore pas mal d'épisodes. Si vous voyez cette vidéo sur YouTube, c'est que toutes les autres sont sorties. Si vous la voyez sur Twitch, attendez tous les épisodes, au moment où je tourne cette vidéo, l'intégralité des épisodes sont pas sortis.
C'est-à-dire que l'épisode 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 sont pas encore sortis. D'accord ? Vous aurez des vidéos jusque aujourd'hui, jusque début mai. Voilà. À partir du 12 mai, on commencera God of War. Voilà, je vous souhaite une très très belle après-midi. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Gros bisous à tous, merci de votre fidélité. Merci de vos encouragements. À très vite sur Twitch, à très vite sur YouTube. Prenez soin de vous.